Alors, je désactive le son pour tout le monde. Et on va ouvrir notre fenêtre de conversation. C'est bon. Le logiciel qu'on va utiliser, c'est le logiciel GIMP. On l'a déjà expliqué dans la leçon. Là, je vous parle du premier TP, le sur 868. Et je sais très bien que la majorité parmi vous, ils l'ont déjà réalisé. J'ai même reçu des résultats, des très bons résultats concernant vos images. Alors, je vais valider. Bien sûr, l'image, c'est celle-là. Les onglets principaux de cette interface, il y a la fenêtre d'outils, ou la boîte d'outils, la barre de menu, les calques, ou bien sûr ici, on a les détails des menus. Alors, comme vous voyez maintenant, on a juste un seul calque, les WEDA. Je retourne maintenant aux conversations. Et j'attends quand même que vous me dites bien. Comme ça, je peux passer à l'étape suivante. C'est bien Yassir, c'est bien Rania, c'est bien Jihad, c'est bien Rajar. C'est 1024 sur 768, c'est une très bonne résolution. Alors, on va faire enregistrer l'image sous. Après l'enregistrement, on va créer un dossier. J'ai montré ceci dans la vidéo. Vous pouvez toujours retourner la vidéo sur notre chaîne. On va dessiner à titre d'exemple. Première AC. Malheureusement, on n'a pas la chance de l'appeler ABC. On travaille comme ça. Alors ici, on va créer un dossier qu'on va appeler ressources. Et vous allez enregistrer. On remarque que l'extension qu'on a ici. Alors, je vais réouvrir les conversations. Et je veux bien que vous me dites quelle est l'extension que vous avez devant vous. Vous l'écrivez. Très bien, Yasser. Normalement, c'est pas JPEG, mais si c'est JPG. Ou c'est la même chose. À vrai dire, c'est la même chose. JPEG ou JPG, c'est la même chose. Ouah, dites-moi, est-ce que ça, c'est une extension qui garde la transparence, ou il respecte la transparence? Parfait. Parfait. Ouah, quelle est l'extension qui va supporter la transparence? C'est l'extension? C'est bien. Est-il la seule extension qui va supporter la transparence?